Seigneur Torquemada, horloger de Tolède. Torquemada, c'est moi, monsieur. Ma montre à chaque instant s'arrête. Voilà qui va des mieux, voilà qui va des mieux. Or, je suis à votre service, muletier du gouvernement. Connaître l'heure exactement, en conséquence est mon office. Car chaque jour à heure fixe, mes mulets doivent sur leur dos emporter les colis postaux. Voyons la montre. Elle est de style. Oui, c'est un bijou de famille. Mon oncle le Toréador, car elle fut sauvée des cornes de la mort. Aux arènes de Barcelone, alors que le conseil. Cette montre en son gousset le préserva du coup de corne. Mais si le monstre par la montre fut arrêté, c'est à présent la montre qui s'arrête. Nous allons donc la démonter. On m'appelle ma femme. Totor est de Torquemada, le diminutif plein de charme. Et quoi, vous n'êtes point parti? L'étourderie est sans égale. Vous souvient-il plus qu'aujourd'hui, il faut aller régler comme chaque jeudi les horloges municipales. Mais quelle heure est-il donc? Comment? Que voulez-vous? Les horloges, monsieur, on n'entend plus leurs coups. Ce serait à devenir fou. Pourquoi, depuis que je vous en réclame une pour ma chambre à coucher, gardez ici ces deux horloges catalanes. Si vous croyez que c'est léger, une horloge est facile à prendre. De force musculaire, oui, vous avez sujet de vous montrer à bord, ou du moins ménager. Vous n'en avez pas à revendre. Mais plus longtemps, ne faites pas attendre les balanciers municipaux. J'ai mes outils, j'ai mon chapeau. Pardon, monsieur, pardon. Ma montre. Je cours, mon cher monsieur, je cours. Demeurez jusqu'à mon retour. Voilà qui ne fait pas mon compte. Excusez-moi, je reviens de ce pas. L'heure officielle n'attend pas. Reste, voilà bien ma chance. Le jour de la semaine où mon épouse est loin, mon unique jour de vacances me sera-t-il gâté par ce fâcheux témoin? Il faut pourtant qu'avec la seigneura je cause, mais de quoi diable lui parler? J'aurais mieux fait de m'en aller. Car je n'ai jamais su dire aux femmes des choses. Cette horloge, monsieur, la jugez-vous d'un poids tel pour la déplacer?
qu'il faille l'effort de deux hommes ou trois. Ça, madame, c'est une paille, c'est une coquille de noix. On lève ça avec un doigt, c'est de la très petite ouvrage. Votre chambre au premier étage, mais je vais l'y porter. Quoi? Vous consentiriez? C'est dit, signora, je m'excuse. Je n'osais pas vous en prier. Il fallait oser, au contraire. Tout muletier a dans son cœur un déménageur amateur. Et voilà qui me va distraire en attendant votre mari. Je suis confuse. Cela m'amuse. Tout s'arrange fort bien ainsi. L'escalier est au fond du couloir que voici. Vraiment, monsieur, vraiment, j'abuse. C'est moi, signora, qui m'excuse. Je fais si piètre mine, hélas, dans un salon. Les muletiers n'ont pas de conversation. Il était temps, voici Gonzalve. Enfin revient le jour si doux, harpe chantée, éclatée salve. Enfin revient le jour si doux, le jour où d'un époux jaloux, ma maîtresse n'est plus l'esclave. Gonzalve, Gonzalve, Gonzalve. Enfin revient le jour si doux. Oui, mon ami, dépêchons-nous. Ne perdons pas une vaine parole, l'heure qui s'envole et qu'il faut cueillir. Les mailles de ces cadrans dont forme ta demeure. C'est le jardin de mon bonheur, émaillé d'or. Que l'on voit éclore et fleurir. Oui, mon ami, le muletier va revenir. Cette image est très poétique. J'en veux faire un sonnet et le mettre en musique. Le jardin des heures sonnait. Si le muletier revenait, oui, mon ami, mais profitons de l'heure unique. Tiens, sans combattre mon cœur, oh, je sais ton cœur, le rythme en est le même. Ton cœur ballant, ton cœur battant. Oui, mon ami. Que mélancolique qu'on entend le cœur de l'horloge poème. Le muletier va revenir dans un instant. Oui, mon ami, mais vois, le temps s'achève. Réaliser le bonheur après lequel nous sommes. Oui, mon ami, mais leur fruit, prends garde, le temps nous est mesuré sans pitié. Le carillon des amours, sérénade. Et puis, voici le muletier. C'est fait, l'horloge est à sa place. Et là, oh, monsieur, que de grâce. Il n'y a pas à dire, il faut qu'à nouveau je m'en débarrasse. Vous allez me trouver bien folle, cher monsieur. Comment vous faire cet aveu? Donc, à peine étiez-vous parti avec l'horloge vers ma chambre, j'ai réfléchi que celle-ci y serait mieux que vous ensemble. Signora, c'est votre plaisir. Je suis tout à votre service. Tant d'indulgence à mon caprice. Oh, monsieur, je me sens rougir. Voilà,
C'est celle-ci, à l'instant que j'emporte. Quand vous aurez remporté l'autre, quelle courtoisie est la vôtre? Vous êtes un vrai paladin. C'est ainsi que ton cœur, éternel féminin, apparaît plus mouvant que les plis d'une jupe. Caprice de femme, chanson. Moi, ça m'est égal, ça m'occupe. Les muletiers n'ont pas de conversation. Maintenant, pas de temps à perdre là-dedans. Vite, il faut entrer. Dans cette boîte de cyprès, de sapin, de chêne ou de cèdre. Oui, c'est fou, je te le concède, mais cède. Songe donc, ici, de nous voir en tête à tête, nul espoir. Car le muletier à l'œil noir se dresse entre nous et je tremble. Au contraire, sans le savoir, l'horloge et toi, tous deux ensemble, ils vous emportent dans ma chambre. Il me plaît de franchir ton seuil entre ces clenches glauques. Dans un cercueil, j'y goûterai des sensations neuves. Et cette horloge m'enferme le sort. Oh mon amande, est-ce pas une épreuve de l'amour plus fort que la mort? Oui, mon ami, il exagère. Salut à la belle horlogère. Donne une gogomesse, qui peut ici lui plaire? Sournoise qui le demanda, Seigneur Torquemada, ne serait-il pas chez l'alcade? Vous voulez le voir? Dieu m'en garde! Aurais-je, s'il n'était parti, pris le chemin de sa boutique? Moi qui, précisément, usé de mon crédit pour faire confier à cette remarie le soin des horloges publiques? Car il est raisonnable, il est juste, il est bon que l'époux ait dehors une occupation régulière et périodique. Don Inigo Gomez est un seigneur puissant. Que ma puissance apparaît vaine si, quand son mari est absent, certaines belles ne consentent à se montrer un peu moins inhumaines. Vous seul pouvez tout. Excusez-moi, Seigneur, parlez plus bas. Les horloges sont des oreilles. J'attends de votre arrêt l'excès de mon malheur. Ou félicités sont pareilles. Chez les déménageurs. Voilà. Et maintenant, à l'autre. Celle-ci est peut-être un peu, je vous préviens, un peu plus lourde. C'est seulement que l'on dirait que ça ballotte. Mais ça n'en est pas plus hardi. C'est moins le poids, ces objets-là, que le volume. Car pour le poids, c'est un fétu. C'est une plume. Emporte ça, les bras tendus, des cornes jusque à la cave. Cet homme a des muscles de fer.
s'il secoue ainsi Gonzalve, il finira par lui donner le mal de mer. Je vous accompagne. Inutile. Quoi ? Faut-il que vous me quittiez ? Le mécanisme est très fragile, implacablement le balancier. J'en demande pardon à votre seigneurie. Évidemment, elle me congédie. Et s'il me fallait écouter les conseils de ma dignité, j'abandonnerais la partie. Cependant, je n'ai qu'une envie. Et cette envie est de rester. Dans ces conjonctures extrêmes, un amant, pensais-je, avec art, s'introduirait dans un placard. Ma foi, si je déroge, je conçois à l'instant le fantasque projet de me cacher dans cette horloge. Ces horloges sont les placards des horlogers. Ma mine causante et sévère à la pauvrette faisait peur. Montrons un autre caractère conforme à sa galante humeur. Et que nous sommes au contraire dans le fond un petit farceur. Elle revient. Coucou. C'est le déménageur. Voilà ce que j'appelle une femme charmante. Maintenant, elle me demande de venir garder la boutique. Voilà qui est bien compris et pratique. Et c'est ainsi qu'une maîtresse de maison à chaque visiteur doit assigner un rôle en rapport avec ses façons. Moi, ma façon, c'est mes épaules. On le voit ici rassembler toutes ces machines subtiles, tous ces ressorts menus à plaisir rabouillés. Je songe au mécanisme qu'est la femme, mécanisme autrement compliqué, s'y reconnaître est difficile. À Dieu ne plaise aussi que je m'arrange le soin minutieux d'en toucher les ressorts. Le talent que m'a donné le sort se borne à porter des horloges. Monsieur, oh, monsieur, dans ma gorge les mots s'arrêtent de déprimer. Traitez-moi de folle, tant pis. Mais comment voulez-vous qu'en ma chambre je garde une horloge qui vend, monsieur, tout de
travers. Quel martyr affreux pour mener. La rapportée, ça me regarde. À tout à l'heure. Enfin, il part. Dieu, que ces muletiers sont de fâcheux bavards. Coucou. Amusons cette belle. Coucou. Tiens, l'horloge. Coucou. L'illusion est de retour par Saint-Jacques de Compostelle. Et le moment est bien choisi pour parler de coucou ici. Coucou. Saninigo. Coucou. Coucou. Oui, da. Vous avez devant vous Don Inigo Gomez, roi de la haute banque. Et même y serais-je à genoux si ce n'était que la place me manque. Si c'est ce jeu, Don Inigo, vous êtes fou. Oui, fou de toi, ô ma jolie. À faire mille folies. Ceci n'est qu'un commencement, un tout petit exercice d'entraînement. Mais je n'en veux point d'aventure, tenez-vous-en là simplement, et sortez, je vous y engage, de ce bizarre. Et quoi, lorsque j'eus tant de peine à entrer, faut-il déjà sortir? Oui, il y eut beaucoup de chaînes, on mérite un peu de plaisir. Manquais-je à votre fantaisie de jeunesse, de poésie. Trop de jeunesse aussi à son mauvais côté. Un jeune homme est souvent inexpérimenté. En vérité, rien l'arrête et l'embarrasse. Et les poètes affairés à poursuivre un rêve éthéré oublient que la réalité sous leur nez passe. Si vous saviez combien vous dites vrai. Un amant comme moi offre plus de surface. Voilà l'objet. Que faut-il que j'en fasse? Ah, l'horloge, c'est bon, merci. Mettez ça là. Et maintenant, cessez-le là, que dans votre chambre l'on place. Dans ma chambre? Dans votre chambre. Vous n'avez qu'un mot à dire, et je l'enlève. C'est un guet-apens. C'est un rêve. Que se dit, signora? Oh, ivresse. Enlevez. Mais n'est-ce pas plus lourd? Goutte d'eau, grain de sable. À coup sûr, cet homme est doué. Ah, vous, n'est-ce pas preste leste, trêve, poèmes étoilés? Vous allez, j'espère, filer et sans demander votre reste. Chiffres enlacés autour d'un cœur de flèches transpercées. La 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 la. Un fond et mille sites sylvestres où l'amour complaisant égara leurs baisers. Comme font deux amants.
si bon vous semble, mais n'attendez pas, s'il vous plaît, que j'écoute encore les couplets de la romance qui recommence. Vous avez de l'esprit, mais manquez d'à propos. J'en ai assez de vos pipeaux. Cette inhumaine, je ne veux pas quitter l'enveloppe de chêne où le destin me fit entrer, sans évoquer les nymphes des forêts qu'emprisonnait une semblable guerre. N'a pas toujours un motif pour traiter ce sujet au vif. Impression d'Amadria. Mais prenons garde, car le muletier s'en revient. Ces gens-là goûtent peu les symboles païens. Voilà ce que j'appelle une femme charmante. M'avoir si gentiment ce labeur ménager, tantôt emménager, tantôt déménager. Voilà ce que j'appelle une femme charmante. Et puis, cette boutique est un plaisant séjour. Entre chaque montée, après chaque descente, nul importun par ses discours n'y vient troubler ma quiétude nonchalante. Rien à faire, rien à penser, on n'a qu'à se laisser bercer au tic-tac régulier de tous ces balanciers. Et des timbres de ces pendules joyeusement tintinabiles, tout ainsi que par les sentiers muletiers sonnent les grelots de mes mules. Si je devais mon sort changer, n'étais-je muletier, je serais horloger dans cette horlogerie avec cette horloger. Monsieur, l'horloge encore ne fait pas votre affaire. Bon, bien, laissez, laissez, je l'avais recherché. Et faut-il que de deux amants, l'un manque de tempérament et l'autre à ce point de nature? Dans le pays de Doña Sol, à deux pas de l'Estramadure,
tire, comme tigre, tire, tire. Plus grotesque encore, de l'horloge n'a pu sortir rien qu'un mi-corps, avec son ventre pétri de breloques. Maintenant, le jour va finir, et mon époux va revenir, et je reste fidèle et pur. À deux pas de l'Estramadur, au pays du Guadalquivir. Le temps me dure, dure, dure. Oh, pour ma colère passée, avoir quelque chose à casser, à mettre en poignée au sol. Impression d'Amadria. Voilà. Et maintenant, signora, je suis prête à remettre en votre chambre l'autre horloge, si bon vous semble, voire même les deux ensemble. Ce sera comme vous voudrez. Quelle sérénité, quel aisance il conserve, et comme il jongle avec les poings, il les soulève. Les enlève. Signora, faites votre choix. Et toujours le sourire aux lèvres. Vraiment, cet homme a des biceps qui dépassent tous mes concepts. Avec lui, pas de propos mièvres. Dans ma chambre, monsieur, il vous plaît remonter. Mais laquelle y dois-je porter de ces horloges? Sans horloge. Cordon, s'il vous plaît. La porte, la porte, la porte. Il m'a semblé qu'on appelait. Oh.
Aussi bien, il est, je crois, sage d'abandonner notre ermitage. Adieu, cellule, adieu, donjon. Adieu, cuirasse et morion. Qu'au chevalier s'y revêtir sa table. Adieu, table du violon. Ton bras est à l'onde filable. Adieu, cage pour ma chanson. Cheminée aussi pour ma flamme. Adieu. Sacrebleu, voilà le mari. Pour nous éviter le souci d'explication sans charme, regagnons au plus vite un asile opportun. Dépêchons. Il y a quelqu'un. L'horloger de joie égale à celle de trouver au logis nombreuses clientèles. Messieurs, soyez les bienvenus et veuillez m'excuser. Vous avez attendu. Mais comment donc, je vous en prie. Vos montres sont de purs bijoux. C'est de cette horloge surtout que vous me direz des nouvelles. Avant que vous veniez, je la considérais précisément avec tant d'intérêt. La curiosité est toute naturelle. Qu'à l'intérieur j'ai voulu pénétrer pour examiner de plus près le fonctionnement merveilleux du pendule. Ouais. Mais je ne trouve pas cela si ridicule. Et croyez-moi, vous en aurez pour votre argent. Car vous prenez bien entendu l'horloge. Certes. Allons, ne soyez pas jaloux. J'ai l'appareil au même prix. Elle est à vous. C'est une chance, mais sans doute impossible de dire non. Il faut endormir ses soupçons. Mais que ce trafiquant à gros gain me dégoûte. Eh bien, nous voilà tous d'accord. Je voudrais seulement vous demander encore de me tirer de cette boîte. Car, soit dit sans reproche, elle est un peu étroite. Veuillez seconder mes efforts, monsieur. Et là, là donc, je t'en souhaite. Pardieu, déménageur, vous venez à propos. Je l'avais oublié, où avais-je la tête? Ma femme, vous non plus, vous n'êtes pas de trop. Voilà. Sacrebleu, quelle poigne! De sa vigueur, chacun témoigne. Vous n'aurez pas encore d'horloge, cher ami. Régulier comme un chronomètre, monsieur passe avec ses mulets chaque matin sous ma fenêtre. Chaque matin, donc, s'il vous plaît, vous lui direz l'heure qu'il est. Thank you.
ridicule. Une femme coquette. Un figure ridicule. Un coquette. Une femme coquette. De vert en tôle. Qui se sert de pour le discours de vêtements au rythme qui se casse à la rime. Ha 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 ha!